Salut à tous, c'est Blood of Devil. Aujourd'hui, on se retrouve pour la réponse de vos questions pour mon fac. Qui se passe? Bah maintenant. Et oui, bien sûr. Bon alors, j'en ai eu une trentaine de questions. Je vous remercie tous, vraiment, vous êtes génial. Alors, bah, mes premières questions, c'est de qui? De Polyad Games. Alors, pourquoi Blood of Devil? Bah franchement, je sais pas trop. Hein. Je trouvais que ça sonnait vraiment bien. C'était... ça... On le retenait bien, que c'était simple à écrire, et que, bah voilà, franchement, je sais pas du tout pourquoi. Pourquoi tu t'es lancé sur YouTube? Parce que je regardais souvent des vidéos de d'autres YouTubeurs, et ça m'a donné envie d'en faire, et voilà. Et je trouvais que c'était bien de partager ce qu'on fait avec des autres gens et tout. Quand as-tu commencé les jeux vidéo? J'ai commencé... à l'âge de, allez, vers 6 ans, non 8 ans, ouais 8 ans, j'ai joué à la Game Boy, après c'était la Super Nintendo, un truc comme ça, après c'était la PS2, la Wii, la Nintendo, le PC, et maintenant c'est la PS3, voilà. Pourquoi as-tu lancé le projet YP Games? Et ben ça c'est, j'y répondrai dans le fait que... du YP Games qu'ils font aussi en ce moment même avec Steven, on répondra. Alors quels sont tes jeux préférés? Mes jeux préférés que j'ai joué hein, sont bien sûr alors il y a Assassin's Creed 3, après franchement il y a eu Call of Duty MW3, mais maintenant ça me déplaît hein. Non, j'aime plus trop, mais c'est Skyrim, ouais. Assassin's Creed 3 et Skyrim, c'est quand même le meilleur jeu que j'ai joué pour le moment. Et GTA 5 que j'ai testé il y a pas longtemps de ça et que j'y joue maintenant. Ouais, GTA 5, voilà. Comment as-tu gagné autant d'abonnés? Alors oui, j'ai quand même beaucoup d'abonnés, bon pas énormément, j'en ai dans les 633 quand je fais cette vidéo là. Et ben je sais pas du tout comment j'ai eu autant d'abonnés, franchement. Ils ont dû aimer mes vidéos, je pense bien. Et voilà. Pourquoi Polyad a une grosse bite? Vois avec Steven si tu sais pas répondre. Alors j'ai vu avec Steven, il m'a dit c'est un délire avec Colossum qu'ils ont eu. Et voilà, maintenant il dit ça. Et il y a Reto qui m'a dit Polyad a une petite bite. Voilà. Alors, qui fait tes intros et logos? Alors mes intros et logos, c'est... j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont fait, maintenant c'est Théo Borocco. C'est un ami à ma copine qui fait des... il fait des beaux logos et des intros, bah c'est lui qui m'a fait ça et ma manière. Je mettrai son Facebook en description ou sur YouTube, je lui demanderai bien pour voir, et voilà. Et je le remercie. Tu m'offres ta place pour Paris Games Week? Non, je pense pas, en plus c'est à quelques jours, là, faut pas. La question ultime, pourquoi? Et bah, parce que, voilà. Merci à Polyad. Alors après il y a... Reto, alors 2L7X Reto. Alors, comment fais-tu pour être un beau gosse? Bah, je sais pas. Là, je m'entretiens et voilà. Une chose que tu rêves de faire, aller à la Gamescom et aller en Australie. Ouais, PS4 ou Xbox One? Si j'aurais pu acheter une des deux, je serais plus PS4 quand même. Alors après, qui compte le plus pour toi? Bah il y a moi. Moi je compte beaucoup pour moi. Ma famille, mes amis, ma copine, mon chien. Voilà. Penses-tu venir à la Paris Games Week? Oui, j'y serai le 30 octobre avec Steven. Feras-tu des rencontres abonnés? Bah ouais, mais franchement, je sais pas s'il y en a qui viendront. J'ai pas beaucoup d'abonnés, c'est pas... je suis pas quelqu'un de connu. Mais ouais, ça peut être intéressant de rencontrer des gens qui regardent mes vidéos et moi que je regarde les siennes aussi. Ça serait bien. Veux-tu créer à l'image de la coop team? Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Veux-tu créer à l'image de la coop team un groupe? Je sais pas du tout. Mais ouais, ça peut être intéressant. Faut que tu viennes parler en privé. Voilà. Alors après, nous avons... Alors il y a de Tom Courouges.
As-tu besoin d'une config d'ordi? Je peux t'en faire une. Non, j'ai pas besoin, merci beaucoup. Ok, non. Aimes-tu les putes? Ah oui, j'y vais souvent, à Paris. De Evrial Enigma. Rémi, tu feras une vidéo avec des abonnés? Oui, j'en ferai plusieurs, je pense bien. Après, il y a de Akari 28. Que penses-tu de la réglementation PEGI pour les jeux violents? Bah franchement, je pense que c'est bien, mais je trouve que ça sert à rien qu'ils ont mis ça, des PEGI, parce que quand tu vois, personne les respecte, on va dire, hein, c'est rare que des gens, tu vois, GTA 5, moins 18 ans, et tu regardes tous les gens qui l'ont, Call of Duty, c'est pareil. Je trouve les parents ne font pas gaffe assez, et voilà. Moi, bon, je vais pas dire ça, parce que moi, j'y joue à des trucs de moins de 18 ans, mais voilà. Je trouve ça sert à rien, ils ont fait ça, mais personne lui s'en fait gaffe, hein. Peut-être quelques-uns, mais voilà. Alors, quel logiciel de montage utilises-tu? Pour l'instant, c'est Windows Movie Maker, parce que mon ordi merde à mort. Alors, je peux pas vraiment prendre de gros logiciels, et comme j'ai presque plus de place, bah, je préfère pas. À quand, et ça me suffit largement pour l'instant. À quand un PC plus puissant? Moi aussi d'ailleurs. Bah, quand lui il aura cassé, voilà, j'aurai un plus puissant, je pense. Alors, pourquoi faut un quad core pour faire tourner Battlefield 4? Alors bah parce que Battlefield 4, je pense qu'il est quand même vraiment très gros comme jeu, hein. C'est pas un petit jeu et il faut cette de configuration pour pouvoir le faire tourner, hein. Sinon je pense qu'il n'y a pas assez de FPS pour pouvoir jouer, ça va être chaud. Mais au fait, qui êtes-vous, monsieur? Eh bah, ben moi je m'appelle Rémi, voilà. Nom de PS, de pseudo youtubeur gamer, tout ça, c'est Blood of Devil, j'ai 17 ans bientôt, au mois de novembre, le 18, et voilà, je suis en terminale bac pro, commerce, et j'habite en Seine-et-Marne. Voilà. Merci à vous pour les questions. Après, de Lisa, voilà. Pourquoi Blood of Devil? Bah ça, j'ai déjà répondu de Pouliade, hein. Le jeu sur lequel tu préfères faire des vidéos? Alors franchement, c'est le jeu que je préfère, c'est Skyrim, Assassin's Creed et voilà. Franchement, c'est des petits jeux what the fuck aussi, hein. C'est drôle. Alors, aimes-tu faire des phases commentaires? Oui, j'aime bien ça, en faire, mais il y a des petits problèmes des fois de assemblage, on va dire. Il y a un petit décalage de voix, mais ça, c'est pas grave. Après, la dernière question de Doddledine. J'aime bien le KFC. J'y étais qu'une fois et voilà, j'aimais bien, mais je préfère quand même le McDo. Après, tu es en quelle classe? En terminale bac pro, commerce. Quel sera ton premier jeu sur PS3? Alors mon premier jeu, bah, ça a été GTA 5, mais j'en ai eu 3 d'un seul coup, alors c'est GTA 5, Uncharted 3 et God of War. Pourquoi tant de temps pour avoir la PS3? Ah oui, parce que j'avais dit que je l'aurais à Noël, la PS3, mais je l'ai eu. J'ai eu ces jours-ci là, et voilà. Mais c'est parce que je devais, ce qui est une bonne offre et ça valait le coup. Avales-tu très bien? Non, je pense pas. As-tu une vie sexuellement épanouie? C'est tranquille, hein. Aime-tu Doddledown? Ah bah ouais, trop. Bon bah voilà. Je vous remercie, franchement, j'ai répondu à toutes vos questions. Même si vous en avez des petites rotes, je peux en répondre en commentaire que vous n'avez pas pu voir ma vidéo ou quoi. Et bah c'est vraiment génial, toutes ces questions, une trentaine. Je vous remercie à ceux qui m'ont posé les questions. Alors il y a Doddledown, Lisa, Akari28, Evrial, Enigma, L7XReto, Tom Courage, Pouliade, et voilà, je pense que c'est tout. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de fac. Et je vous remercie parce que aujourd'hui j'ai quand même 633 abonnés et plus de 120 000 vues, hein. C'est énorme quand même. Les amis, j'aimais même pas comment je suis content. Et en même temps, vous voyez que en même temps, bah, c'est sur un gameplay de GTA 5, de GTA San Andreas sur PC, comme ça avec Steven et en solo, je crois bien. On s'amuse vite fait, c'est pour détendre. Et je vous remercie. Allez, bye bye.